au concert de The Summer. Oui, vous l'avez vu, il était au Super Bowl, c'était un show incroyable, ou pas. Mais en tout cas, il nous a fait l'honneur de venir parmi nous et je l'accueille tout de suite, The Summer. On m'a dit en coulisses qu'il a un problème de jet. Ça arrive, le trafic aérien, vous connaissez. Donc ce sera moi qui vais m'occuper de la première partie. Remboursé. Sinon ça va? Ouais, il est relou lui. À la route du capitaine. Super. Alors ce soir on va faire ensemble avec le poteau Sammy, Sammy James. Apparemment il est un peu inspiré ce soir, donc on va essayer de boucler tout ça en deux spi. Et là c'est bon. Oh super. Ça va poutou? Ouais, bah, bien, bien. La mère va bien, bien. Le père va bien. Le grand-père va bien. Le chien aussi. Le chien aussi. C'est un peu comme le frère ici, tu vois, il m'a aidé quand j'étais petit. Là on rend l'appareil. On est là pour faire vraiment du son, ouais, moi c'est taffé. Sammy et Djibril sont en pleine composition de leur prochain titre. Ils choisissent des paroles très engagées. Relève-toi vite, à chaque fois que ce monde te fait un croche, pas, ne cultive pas la haine, ou elle te mangera, guéris, car si tu es mal en toi-même, ce sera pareil autre part. La vie m'a dit, le bonheur dépend de ton regard. C'est lourd, ça rime, ça qui est bien, ça rime beaucoup. Là, on va faire une session studio, là. On va enregistrer un nouveau son pour ce nouvel album. C'est carré. Ça veut dire quoi, c'est carré? C'est bon. Bonjour. Ouais, ah, vas-y, on est en retard, vas-y, trace. T'as pas l'heure? T'as pas un téléphone, frère? Wesh, t'es wow, frère! Excusez-moi, ça veut dire quoi, t'es wow? Ce qui est bizarre! Eh, hey, t'es B, frère! Excusez-moi, ça veut dire quoi, t'es B? Ce qui est bizarre! Yuan du 9-2 et Lil Basic du 9-1 sont en pleine composition dans leur prochain son. Parce que là, on va commencer l'enregistrement. Il a écrit un super couplet depuis 2 semaines, là. Il veut aussi passer un bon message pour les petits, là. Là, on a fini la partie parole. Là, on passe aux adlibs. Donc, c'est les bails où tu sais, genre, tu fais ce que. Comme ça, en arrière-plan, et ça donne un petit peu de dynamisme. Ça, c'est lourd, ça. C'est carré, je suis en une prise. Vas-y, j'en ai marre. Donc, c'est comme ça qu'on fait les trucs. Genre, parfois, c'est 2 prises, parfois, c'est 1 prise. Vas-y, vas-y, quatre. Ouais, c'est bon, comme toi, je fais son taf. Et tu sais, je t'ai pas dit, j'ai invité une fille hier. Je me suis dit, vas-y, elle est magnifique. Et je veux qu'elle reste chez moi, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais profiter de la situation qui est le couvre-feu. Donc 18h, donc je l'invite à 17h30, comme ça, 18h, t'as capté, tu vois, elle est obligée de rester chez moi. Ouais, ça, et le truc, c'est que j'avais pas pensé. Je dis qu'elle a fait une incitation, donc elle s'est barrée à 18h15. Miskin. Miskin, toi-même? Après, je joue à Rocket League, tu vois, je suis en platine sur Twitch chez Parody Bro, tu vois. Bonsoir, comme vous le savez, chaque vendredi nous accueillons une nouvelle flèche montante de la scène musicale. Aujourd'hui on va s'intéresser au rock, plus précisément au rock metal, avec... vous savez quoi, il va carrément se présenter par lui-même. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Francis... 6. Ok, d'accord, comme on le sait, vous faites du rock metal, précisément. Vous venez tout juste de sortir un nouvel album, comment s'appelle-t-il? Soif de chair. Très bien, d'après les retours que nous avons eus sur Twitter, c'est un album assez profond, assez poignant, assez personnel, avec des paroles assez recherchées. Tout de suite un nouvel extrait. Donc d'après ce qu'on vient d'écouter, c'est un extrait assez... fort, riche en émotions, vous étiez vraiment énervé à ce moment-là. J'étais tellement heureux. Je pense qu'on n'a pas écouté le même extrait, je pense que c'est possible, on va écouter un nouvel extrait. Ah,
Alors voilà, donc d'après ce qu'on vient d'écouter, je ne suis pas non plus un très grand analyste, mais je peux quand même constater que vous avez vraiment eu beaucoup de haine lors de votre écriture. Vous me jugez. Ah non, 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 du tout, nous sommes là justement pour vous mettre en lumière par la grâce de Dieu, amen. Du coup, je pense comme tout le monde, un peu surpris par votre voix. Est-ce que vous avez des méthodes justement pour l'entretenir? Vous avez un coach pour ça justement? Ok, c'est efficace. C'était Francis avec un seul 6, le jeune rocker metal qui monte en flèche en ce moment même. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Non, 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 tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. Si on ouvre le resto, il y aura plus de contamination. Quoi? Attends, attends, quand tu prends le métro à Châtelet. Professionnel. Allez, t'as fait le clé de YouTube! Attends, ah, t'as un fake! Et t'es claqué, frère! Et remboursé! Il n'y en a non! Je peux pas! Et c'est pas un DJ, c'est un YouTuber! Non, pour vous faire toutes les services. Prends sur le métier dans les mariages! Vendez à l'international. Et nous a pas respecté. Ouh, Mais qu'est-ce que vous avez ?